Aujourd'hui, on se dirige vers les Îles-Minguan. Et là, c'est vraiment une très belle journée, mais quoique c'est un peu frais. Mais les paysages sont absolument fantastiques. C'est vraiment la côte nord. Il y a de la, c'est la mer à perte de vue. Avant Minguan, on a arrêté dans une halte routière pour nous reposer un petit peu. Puis il y avait un sentier à cet endroit-là, donc on l'a emprunté. Mais c'est le fun parce qu'on voit l'intérieur de la forêt vierge. C'était comme ça quand ils sont arrivés, les colons. Là, on arrive bientôt à Rivière au Tonnerre. C'est vraiment, vraiment, vraiment une belle région. C'est tout près de la mer, évidemment. C'est sur le bord du fleuve. Et c'est beau, beau, beau. Ça n'a pas de bon sens. C'est sûrement un des endroits les plus près de la mer et j'ose à peine imaginer quand il y a une tempête et quand il y a beaucoup de vent, ça doit être vraiment, vraiment très impressionnant.
Là, on est rendu sur le quai de Rivière au Tonnerre. C'est vraiment un de nos coups de cœur dans ce coin-là. C'était vraiment, vraiment très beau. Qu'il va faire frais sur le bateau, hein? Je pense pas que c'est pas beau les maisons sur le bord là, avec la mer. Là. Salut, hein? Il a trouvé le moyen. Ouais, hein? Il va trouver le moyen d'y aller. OK, il y va, là. Regarde là, il a plus peur de l'eau. Il dit, maman, je suis allé dans la mer. Regarde là. Ah, il dit, une branche. Il est tout fier. Il est tout fier, le temps. Hey, ça sera pas en culotte courte demain, hein? Tabarnouche! Qu'est-ce que tu fais? Ouais. C'est tellement beau, les rochers arrondis comme ça. C'est incroyable ce que la nature fait. Ça, Dieu sait que tu parles là. Hein? C'est bon. Ça ne l'intéresse pas. C'est les branches qui l'intéressent. Oh! Regarde la température qui s'en vient. On repart pour le camping de longue pointe des Îles-Minguan. On arrive à Rivière-Saint-Jean et on voit que la température commence à se morpillonner un petit peu. On est arrivé en début d'après-midi au camping de la Minguanie. Il pleuvait un petit peu,
mais ça s'est vite tassé, puis on a pu en profiter. C'est vraiment un beau camping, il y a de bons espaces, puis c'est vraiment agréable. Dès que la pluie a arrêté, on en a profité pour sortir dehors, aller voir le camping et surtout aller voir la mer. Ça. Voici posant fièrement avec ma tasse, mon verre de vin et mes flamants roses. Dure journée. On a trouvé une petite gardienne pour demain, puis on va visiter les Îles-Minguan.